Hey guys, how are you guys doing out there? This one is a bit of a bilingual effort to try and do some French and English. My French is very bad, but I met Philippe the other day, a French guy. Really cool dude. I thought we'd check out his van very quickly, do a very quick tour of his car. I think I did two little circles and that's it. But it's a very interesting build. And in fact, he was passing me going the other way on the road and he waved. And I thought that's cool. And then 5 minutes later, he was behind me. So I pulled off and we had a chat for about an hour and a half. So guys, have a quick look around his van. It's really cool. And thanks for watching in French and in English. Ciao. Et le bonjour à votre dame qui est merveilleuse. Ouais, elle aime bien le truc. Et elle a un sourire magnifique. Ouais. Vous avez un coffre là, c'est pas le standard, oui, non? Oui, un cubibox style américain, là, moi j'aime bien. C'est un fourre-tout et j'aime bien. Ah ouais? Je vais vous mettre dans les vidéos. Hein? Je vous... Ouais. Vous êtes? Philippe Nitzin sur Facebook. Hein. D'accord. Le Land, il est un 90? C'est un 90, oui. De la... turbo diesel. Et remotorisé 300 TDI avec les ponts, la boîte, etc. etc. C'est sûr. Et vous dormir dedans? Ah, si, le truc là. Oui, ça s'est coupé. Hein. C'est une porte voilà. Devant, en fait. Oui, ça marche. Moi, j'adore vraiment. Le porte-roue pick-up, CG16, je l'adore. Vous êtes tout là, c'est mon barda. Mais tout est dedans. Il y a deux caisses. En vérité, c'est deux caisses de voyage. Ah, d'accord. Qui sont là. Donc voilà. Là, il y a, dans une, il y a mon canoë. Dans l'autre, il y a ma vaisselle. Et pas de fuite. Et la boîte. Et la boîte, elle est orange. Ah oui. Je sais pas si on... Voilà, c'est-à-dire qu'elle a été refaite il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ouais. Elle est 300 Didi, hein. Il est costaud. Et simple. Et les roues d'orange? Oui, je les ai. Mais d'origine, elles sont équilibrées. Elles sont nickel, il n'y en a pas rajouté de grammes, tout ça, elles sont au top. C'est pour le fun. Vous touchez quelque chose, comme ça, moi. C'est moi, voilà, ouais, exact. J'aime bien les éclairages. La porte, elle est série 3. Celui-là, il y a la style, série voilà, 3. Ouais, pareil, il y a CC16, ça. D'accord. C'est presque mon anniversaire. Je vais demander à ma femme. Mais... Ouais, elle est très belle, hein. Ah, c'est votre nom, là. Ah oui, parce que c'est mon nom, parce que j'ai mis la porte entre temps, mais c'est mon pseudo Facebook, c'est moi qui l'ai peint. D'accord. J'ai mis Philippe Nitzin et j'ai une page Facebook, Passion Def en liseau brève. Passion Def. Voilà, en liseau brève parce que je pense qu'il n'y a que les vrais aventuriers durs qui ont des langues. Ouais. Vous n'avez pas l'attelage? Je l'ai enlevé, j'ai plus rien. J'ai mis le cric là. Voilà. Ah ouais. Le cric là est plus important. Ah. C'est simple. Et ça c'est ma page Facebook Passion Def. Là je l'ai mis. On lit the brave. On lit the brave. Oui. Qui part que de défendeurs et que d'aventure. Ah d'accord. Uniquement. Les trucs là, ça c'est pour le neige. Ça c'est bien. Pour le chauffage. Enfin,
le chauffage, la, au moins la prise d'air, parce que le chauffage, c'est le plus. Donc, on a parlé beaucoup. J'ai trouvé qu'il est très sympa. Il est en fait seul. Il roule, il voyageait avec son 90 par beaucoup des pistes. Bon, Philippe, je sais pas où tu es en ce moment, mais bon voyage, bonne continuation. Et à tout le monde, merci pour regarder mon vidéo. Voilà.